Patrick, nous avons fait venir votre femme, Patricia, qui, je crois, a quelque chose à vous dire. Patricia. Alors nous allons marquer une pause le temps que Patrick retrouve son calme. Patrick, calmez-vous. A tout de suite. S'il vous plaît, on reste en place, on n'a pas complètement terminé, on va reprendre dans deux petites minutes. Voilà, merci beaucoup. Tiens, tu te fous de ma gueule. Quoi? Ça fait 20 fois que je te demande d'attendre avant d'envoyer le public, putain, faut te le dire comment? Bah... Quoi? Rien. D'accord, excuse-moi. Je te demande pas de t'excuser, je te demande de faire ton taf! Très bien. Non, c'était pas mieux. T'as plu? Oui. C'était pas mieux. Ok, je vais vous demander de patienter encore un petit peu. On va vous apporter à boire. Hein, je vais demander à Olivier. Olivier... Ok. D'ailleurs, la paix sociale est actuellement garantie par la possibilité pour chacun de consommer toujours plus et plus vite. Non, laissez-moi finir. D'ailleurs, aujourd'hui, tout va plus vite. Hein, les images à la télé, les clips, les jeux vidéo, les films, on a élevé une génération de zappeurs, il y a une surconsommation d'images. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller toujours plus loin. Il faut étonner les gens, les choquer pour les empêcher de zapper. Mais pour répondre à votre question, il est évident que le pouvoir... Putain... Mais on est obligé d'aller toujours plus loin. Il faut étonner les gens, les choquer, pour justement les empêcher de zapper. Et pour répondre à votre question, je pense que le vrai pouvoir, c'est d'acheter ce qui n'est pas avant. Acheter n'importe quoi à n'importe quel prix. Qu'est-ce que tu fous? Rien. Rien, je vais me coucher.